Vlog du 22 janvier 2023 au centre Vidéotron contre le Salinger et Mouski. Comme on n'avait pas filmé des scènes du CV en entrant, on avait mis une petite photo du centre Vidéotron. J'avais fait une affiche de Patrick, vu que c'est mon gardien préféré de l'Océanique. Là, on attendait pour avoir accès à la patinoire qui rouvre une heure avant la game. Pour la période d'échauffement, on commence du côté de l'Océanique pour que je puisse montrer ma pancarte de Patrick. La période d'échauffement commence. On vous laisse avec quelques images et vidéos de la période d'échauffement du côté de l'Océanique. Une petite rondelle de Patrick et on continue la période d'échauffement. Les joueurs sortent pour la première période. Aligma partant pour Québec. Bien évidemment, avant le début du match, les Remparts ont décidé de féliciter dans le fond notre coach qui avait 500 victoires dans la LHMQ en lui offrant un chandail marqué 500 et roi à l'arrière. Que le match commence. On a oublié de prendre en photo le score entre la première et la deuxième, mais c'était 2-0 Québec, un but de Davis Cooper et de Elliott Lavoie. C'est parti pour la deuxième période. Un peu plus tard, après que Alexander Gaudio ait scoré son 11e but de la saison, Luca Vero en marquait un autre pour égaler la marque 2-2 avec son 14e de la saison. Si vous trouvez qu'il y a un peu plus de gardiens à la deuxième période qu'à l'habitude, c'est normal, on a fumé un peu plus Patrick. On avait oublié de fumer les joueurs. C'est 2-2 après la deuxième période. La troisième période commence.
La troisième période s'est terminée avec 3 buts du côté de Québec, Théo Rochette, Pierre-Olivier Roy et un autre de Théo Rochette pour procurer la victoire au remport de 5-2 face à leurs partisans.